One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Mega. Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce 1er mai et j'en profite au passage donc pour vous souhaiter à toutes et tous un bon 1er mai et une bonne fête du travail. Voilà, j'espère que tout se passe bien ou en tout cas du mieux possible pour vous. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, voilà, comme me l'a suggéré il y a peu donc un jeune ami et jeune Autobots MDR Gaming, voilà, que je salue au passage. Et voilà, qui se reconnaîtra bien évidemment s'il regarde cette vidéo. Voilà, donc je vais vous proposer le petit père Bulkhead dans sa version leader class, issu de la série animée Transformers Animated. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Mini-moi et mini-mini-moi, comme à l'accoutumée, vous feront un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs. Vous allez voir, celui-là, il envoie du bois. Ouais, j'en profite au passage pour vous souhaiter un bon 1er mai et vous dire à tous et tous, May the Force be with you! Ouais, pas sûr que tout le monde ait compris la référence, mais bon, voilà, c'est toujours mieux que rien. Allez, à tout à l'heure les mecs, tchuss! Et voici pour commencer donc un petit 360 de notre Bulkhead dans sa version... dans sa version véhicule, voilà, véhicule, gros véhicule militaire de type un petit peu futuriste, entièrement blindé, armé jusqu'aux dents, voilà, qui en impose, que ce soit, donc, vous le verrez, en mode alternatif qu'en mode bot, voilà, une superbe réalisation qu'Hasbro nous a gratifié, donc, en 2008, vraiment fidèle au dessin animé, et extrêmement bien réussi. L'ingénierie vraiment était très 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 bien élaborée pour cette gamme, et ce leader class tout comme les autres donc voilà ne démérite pas, vraiment une superbe figurine. Oula, je vais y arriver. Voilà, et je le rappelle hein, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu mes précédents unboxing, que voilà, ce petit père voilà, provient d'un ami hein, chez qui donc je l'ai acheté, mon ami Sébastien, voilà, qui m'a permis d'avoir ce petit Graal, tout comme le Ultramanus pour lequel j'ai eu l'occasion de vous faire une revue il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, petit père que j'avais vraiment envie d'avoir 100% complet parce que je l'avais trouvé en brocante il y a quelques années, malheureusement sans les missiles, sans tout un tas de trucs. Donc voilà, je l'ai enfin 100% complet et j'en suis super satisfait. Une magnifique pièce dans l'attente éventuelle de pouvoir trouver un jour la version Voyager. Alors on va s'attarder tout de suite donc sur les petits détails qui habillent de fort belle façon ce colosse. Tout d'abord, pour nous rappeler le concept du véhicule blindé, nous avons des boulons un petit peu partout hein, sur le pourtour, voilà, du véhicule. Un pare-brise très petit, voilà, de façon aussi à se protéger. Et puis avec voilà, ça me fait penser un petit peu à des sourcils ou en tout cas à un regard voilà menaçant, hein, avec une bouche ici, le genre de voilà de grosse baraque qui fonce dans le tas et qui détruit tout sur son passage, avec de très jolies finitions. Donc voilà, la partie ici du pare-brise avant et latéral est translucide. Nous avons également en translucide le symbole Autobot ainsi que le gyrophare. Nous avons voilà un petit pare-choc ici en beige clair dans la masse, quelques petits effets de peinture verte brillante ci et là, les feux avant et latéraux sont en jaune métallique doré, voilà, du plus bel effet. Là encore quelques petites touches de peinture hein, au niveau du pare-choc, on y retrouve encore les boulons. Sur le côté donc nous avons les petites ventilations, les portes blindées, vraiment voilà très très bien détaillées, les réservoirs ici. Les jantes sont également donc très bien détaillées, hein, faut avouer, avec une petite touche également de beige, cette fois-ci métallique sur le bas. Les petites torpilles sur les côtés, voilà, absolument voilà, magnifique et très très bien réalisé, avec du jaune doré, et puis voilà, des petits détails de peinture également toujours en jaune doré métallique
sur les côtés. Voilà, un petit peu. Vue de dos, là encore, avec les portes arrière blindées. Ça aurait mérité un petit peu plus de détails en termes de couleurs, mais voilà, sinon, dans l'ensemble, c'est quand même très très propre. Vue le face, de côté, de dessus, de dos, et au niveau de l'undercarriage, où nous avons quelque chose de très propre. Alors certes, nous voyons les jambes, les cuisses et les pieds, mais mis à part ça, tout le reste est extrêmement bien camouflé. Voilà, très peu de vide ou de jour, hormis voilà cette petite partie juste ici. Donc tout est vraiment très très bien compact, surtout quand on voit la taille après du mode robot. Donc vraiment absolument superbe. Au rang des gimmicks, bah, nous avons tout simplement donc au niveau de la petite tourelle, voilà, les deux canons rotatifs. Voilà, les missiles que l'on peut d'éclipser, encore une bonne chose. Et puis nous avons leader class oblige de la gamme Animated, voilà, des petits sons et lumières qui s'activent lorsque vous appuyez donc sur le symbole Autobot. Alors pour cela, je vais faire une petite pause et baisser les lumières, comme ça vous allez vraiment pouvoir apprécier ces petits détails de sons et lumières. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Voilà. C'est-il pas beau? Les gyrophares et ces bandes juste ici sur le toit, c'est clair. Voilà, de toute beauté. Et il y a bien entendu donc d'autres gimmicks qui diffèrent donc en mode robot. Voilà un petit peu pour le mode véhicule. Et petit comparatif, et par la même occasion, photo de famille avec une autre version Doublehead, cette fois-ci issue du dessin animé de la formidable et excellentissime série, voilà, Transformers Prime, une série que j'ai vraiment adorée, que je surkiffe toujours autant aujourd'hui. Donc, la version Transformers Prime Armed Micron de chez Takara, sortie en 2012. Le petit Cyberverse Battle Tactics, sorti la même année. Et dommage aujourd'hui que Hasbro ne fasse plus de Cyberverse, parce que voilà, c'était vraiment un excellent compromis, 100 fois mieux qu'un simple Legends, puisque plus grand, plus complexe en termes de transformation, et plus élaboré aussi dans son mode robot, avec des petites pièces transparentes. Enfin vraiment, c'était voilà, ces gammes Cyberverse et Commander manquent beaucoup aujourd'hui. Et puis donc également donc aux côtés de la version Beast Hunters sortie en 2013. À noter pour la petite anecdote que Hasbro et Takara avaient dans l'idée au départ de pour le rendre vraiment très très fidèle au dessin animé, donc d'intégrer des LED de couleur bleue. Malheureusement, c'est comme c'est toujours le cas aujourd'hui, on va dire, ce type de LED vraiment coûte très cher. Le coût de fabrication aurait été hélas trop élevé, et le prix de vente aussi. Donc voilà, donc Hasbro et Takara ont fait un compromis, donc ils ont proposé un système de LED jaune et rouge, donc vous verrez la différence tout à l'heure en mode robot. Mais voilà pour la petite anecdote, c'est bien dommage parce que des LED bleus, vraiment, ça aurait fait un truc de la mort qui tue. Et pour conclure donc au registre des accessoires, nous retrouvons donc voilà son casque Headmasters, qui malheureusement, contrairement aux générations 1 ou à ce que la logique voudrait, ne se transforme pas en robot, hein. Il s'agit juste d'un casque, voilà, qui vient se fixer par-dessus le visage. Alors casque dont je ne suis pas très très fan, enfin surtout voilà du visage qui est assez ridicule. Mais voilà, donc ça a le mérite d'y être, et en tout cas d'être aussi là encore fidèle au dessin animé. Donc ceux qui ont vu la revue d'Ultramanus ont vu ce que ça donnait avec. Je vous le montrerai également avec Bulkhead, puisque celui-ci donc était fourni avec ce dernier. Et passons à présent à l'étape transformation, qui s'avère être un plaisir absolu. L'ingénierie, la créativité, l'inventivité qui a été mise au profit pour cette gamme Animated est vraiment exemplaire encore aujourd'hui, hein. Je vous rappelle que c'était sorti en 2008. Donc non seulement les robots étaient plus gros, plus lourd, plastique lourd, massif, solide, du ratchet partout, du son, des lumières, voilà des choses qu'on a perdu aujourd'hui. C'est un leader class, hein. Si vous comparez avec les leader class pareil d'aujourd'hui, il y a une très très grosse différence, que ce soit en termes de gabarit ou de poids. Donc vraiment, bah, c'était aussi une belle époque, hein. Donc vraiment, la transformation est fun,
et on se surprend à s'amuser assez fréquemment ensemble, tellement celle-ci est plaisante. Alors pour commencer, vous allez tout d'abord venir, voilà, déloquer et soulever la tourelle, et vous allez voir que en exerçant cette petite opération-là, voilà, vous avez le bruit de la transformation. Donc on laisse ça de moment pour le côté. De côté pour le moment. Alors là, si je parle à l'envers, on n'est pas dans la merde. Je sais que c'est le 4 mai. Si je me mets à parler comme Yoda, là, c'est terminé. Donc ensuite, vous allez prendre les jambes comme ceci, les redresser. Ensuite, vous allez venir rabattre les roues avant comme ceci, de chaque côté. Et vous avez donc cette petite tirette juste ici, voilà, avec une petite mâchoire qui va venir se loquer à l'intérieur ici. Donc vous venez, voilà, loquer le tout, on entend bien le clic. Ensuite, vous mettez les jambes dans l'axe. Notez au passage, hein, le bruit des ratchets, et croyez-moi, il y en a absolument partout. Et ensuite, donc plus qu'à mettre les pieds en position. On remarque les chenilles à l'arrière, vraiment le détail qui tue. On peut, voilà, écarter légèrement l'épanard, comme ceci. Ensuite, vous allez venir déloquer cette partie-là. Alors, je vais reculer un petit peu le missile. Voilà, vous relevez cette partie-là, celle-ci également. Ensuite, vous allez déclipser et soulever tout ce bloc-là à l'arrière, et ensuite déloquer, baisser toute cette partie-là, rabattre et loquer. Vous avez des petites mâchoires qui viennent se fixer, vous loquez bien, vous positionnez ainsi pour le moment. Ensuite, vous allez pouvoir déloquer ces pièces-là, ici. Et, alors c'est vraiment du costaud, ici, comme ceci, vous exercez une petite rotation, vous rapprochez les épaules, et hop, il y a un missile qui se barre, c'est pas grave. À noter, hein, qu'on peut le transformer en enlevant les missiles, ce qui est bien plus pratique. Voilà, donc pour le moment, nous en sommes à ce stade-là. Ensuite, maintenant que la totalité du dos est dégagée, vous allez pouvoir faire glisser vers le haut cette partie-là, de façon à donner un petit peu plus d'aération et d'aisance au bloc des jambes, juste ici. Voilà, le voilà un peu libéré, délivré. Ensuite, vous allez pouvoir venir séparer l'arrière, comme ceci. Ces pièces-là, vous placez le tout comme ceci en attendant. Voilà, ça prend forme. Vous avez un petit ergot ici et une mâchoire ici. Vous loquez le tout. Vous pouvez ensuite, voilà, monter ces parties-là. Alors, je vais prendre un petit peu de hauteur. Une petite mise au point. Une fois que c'est fait, vous pouvez à présent rabattre ces parties-là de façon à avoir un backpack très compact. Là encore, hein, l'ingénierie a vraiment été mise au profit de cette figurine, hein, puisqu'on avait toute cette énorme partie arrière qui se retrouve d'un coup entièrement compacte, et ça fait pas un backpack vraiment très très gros. Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal proportionné et bien bien dissimulé une fois de plus. Alors, quand c'est fait, vous prenez ensuite, vous voyez, vous avez deux ergots qui pour le moment ne peuvent pas se loquer dans leur réceptacle. Donc vous prenez cette partie-là, juste ici, et vous venez la soulever comme ceci. Et là, à présent, vous pouvez loquer le tout proprement et correctement. Voilà qui est fait. Ensuite, vous mettez les bras en place. Vous prenez ce bloc-là, juste ici, et vous faites une rotation.
Voilà. Comme ceci. Même étape. Ici. Hop. Je lui refixe la torpille. Et pour terminer, donc, vous prenez la partie de la tourelle que vous déclipsez, vous séparez en deux. Voilà. Vous la dégagez, vous les dégagez de chaque côté, comme ceci. Et vous venez les rabattre à l'intérieur pour les dissimuler le plus possible derrière les épaules. Ensuite, vous rabattez les deux canons de la tourelle vers l'intérieur. Et vous n'avez plus qu'à positionner ces pièces-là. Voilà, tout comme dans le dessin animé. Et voilà, mesdames et messieurs, notre bébête transformée. Yes! Et petit 360 à présent du mode bot. Voilà, notre gros pépère. Notre, entre guillemets, Hulk. Prêt à se fighter contre les Decepticons. Et croyez-moi, ça doit faire bobo à la gueule au vu du gabarit de la bête. Qui n'est pas sans me rappeler un petit peu le gorille. Hein, avec voilà le haut très massif, des grands bras très épais, très musclés. Et des jambes un peu plus petites en tout cas. Le voici, le voilà, hein, avec l'étoile militaire donc sur les côtés des épaulettes. Le souci du détail est vraiment là, très propre. Alors dommage, hein, on voit un petit peu les vis à l'arrière, mais voilà, la conception est vraiment très très bien conçue. Vous pouvez voir que malgré son embonpoint, malgré son gabarit, il reste très stable. Ça aussi, c'est très plaisant. Petit zoom à présent sur le visage. Là encore, c'est un sans faute. Le visage est extrêmement fidèle au dessin animé. Avec cette énorme mâchoire qui me fait penser un petit peu à au requin dans les vieux James Bond avec Roger Moore. Voilà, mine vraiment patibulaire, hein, qui s'y frotte ses piques, croyez-moi. Celui qui vient le chatouiller doit prendre cher pour sa tronche. Avec là encore donc le petit gimmick. Alors je vais à nouveau rebaisser l'intensité des lumières pour que vous puissiez donc apprécier le mieux possible le petit système d'éclairage. Et voilà, rien que pour vos yeux, non seulement il parle, mais ça s'allume toujours au niveau du dessus et des yeux. Et vous avez la tête en même temps, vous voyez, voilà, qui bouge avec le dessus qui se lève ou qui se baisse selon l'expression et la bouche également, hein, qui est, voilà, qui est articulée, vraiment absolument superbe. To it, buddy. Voilà, un petit peu donc les petits gimmicks hein, avec notamment donc le cockpit qui lui aussi s'éclaire. Voilà, très très bien pensé. Alors concernant les articulations et malgré ces airs un peu pâteaux, il y a quand même de quoi se faire plaisir. Alors certes, hein, ce n'est pas une danseuse étoile au vu de son gabarit, mais voilà, il est tout de même capable de nous proposer une pub Dove en bonne et due forme, du très bon. Et écoutez au passage hein, le bruit des ratchets. Alors vous avez des ratchets, vous avez du soft ratchet. Voilà, vraiment voilà, quelque chose de voilà de très très bien soigné au vu en termes de finition et surtout par rapport à son gabarit. Hein, donc tout est fait pour, quelle que soit la pose, lui apporter une stabilité. Vous avez également une rotation intégrale du haut de l'épaule. Vous avez donc voilà une articulation du coude à 90 degrés, c'est parfait, ça fait son taf. Petit gimmick au niveau de la pince, lorsque vous voilà avancez, lorsque vous faites une pression sur la petite targette juste ici, vous avez la possibilité d'ouvrir ces trois pinces qui me font penser un petit peu aux générations 1 Omega Suprême. Pour l'autre main, là encore, un gimmick. Voilà. De quoi vous faire et vous donner quelques petites balafres qui doivent faire bien bobo là où ça fait du bien. Hop. Au niveau des grands bêtes, alors nous pouvons, voilà, lui donner, et eh oui, hein, malgré son poids et son gabarit, voilà.
C'est un parfait karatéka, hein. Plus qu'à lui mettre un tutu et il sera prêt pour aller danser au ballet. Voilà. Nous avons le grand écart latéral qui, par contre, est un petit peu plus limité de par le pare-choc avant et le backpack. Malgré tout, ça reste vraiment, voilà, ça rentre dans le domaine du raisonnable. Une rotation également intégrale des genoux et une articulation des genoux à un petit peu moins de 90 degrés, mais ça fait son taf. Et le pied que vous pouvez lever et baisser. Donc voilà, hein, vous l'avez compris, inutile de palabrer dessus pendant des heures. Voilà, malgré sa stature imposante, il est parfaitement articulé et vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Alors, nous allons pouvoir passer à présent donc au gimmick du Headmaster, sur lequel je ne vais pas m'attarder plus que ça. Le voilà en place. Et comme pour Ultramanus, c'est ridicule, mais là encore, je vais baisser l'intensité de mon éclairage pour que nous puissions voir un petit peu, voilà, les petites modifications une fois le casque placé. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Et le petit gimmick, donc pour accompagner les effets du casque. Voilà. Et cette fois-ci, donc, vous avez toute cette partie-là qui s'éclaire. Voilà. Et non plus en jaune, mais en rouge. Voilà. Là encore, c'est le petit détail qui tue. Et petit clin d'œil, là encore, donc, à la série animée, c'est, voilà, tout comme dans le dessin animé, il vous est possible de transformer son backpack en un fauteuil, voilà, pour reposer ses petites fesses, hein, et le voici tranquille, voilà, prêt à siroter un petit verre d'énergon devant une bonne série télé. Yes! Petit comparatif, et là encore, donc, photo de famille auprès donc de notre Transformers Prime Bulkhead, cette fois-ci la First Edition, sortie en 2011, et on peut voir, hein, qu'il y a quand même, entre les deux personnages, pas mal de similitudes. Hein, on retrouve un peu cet esprit, cet aspect simiesque. Donc voilà, que dire, hein, vraiment deux superbes figurines. Il n'y a pas à chier, hein, Hasbro vraiment savait vraiment nous faire des choses absolument magnifiques. À cette époque-là, même si aujourd'hui, il y a du bon, hein, je ne crache pas sur ce qui se fait aujourd'hui, mais voilà. Simplement qu'à l'époque, c'était différent. Et pour conclure, donc, petite photo de famille d'une partie de ma team Autobots de la série donc Transformers Animated. Donc, à savoir Optimus Prime, Ultramanus, Ratchet, Jazz, Snarl et Wreck-Gar. Voilà. Sachant que dans mes petits trésors, et je vous en ferai peut-être une revue à l'occasion, j'ai encore, alors je vais essayer de voir si je peux réduire l'image. Voilà, j'ai encore dans mes petits trésors cachés et toujours en boîte scellée non ouverte, voilà, le duo Shockwave et Bumblebee. Yeah! Mais ça, ce sera pour d'autres aventures Transformers. Et toujours au rang de mes petits trésors, notamment donc de cette gamme Animated, voilà, du Third Party Impossible Toys, voilà, trois petits personnages, alors Ultra Collector, hein, puisque ce ne sont pas des officiels, voilà, personnages récurrents de cette série animée. Youhou! Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue du jour consacrée à, vous l'aurez compris, l'excellentissime Bulkhead à l'échelle Leader Class de la série Transformers Animated. J'espère vous avoir fait découvrir pour les uns ou redécouvrir pour les autres une figurine vraiment majeure. Juste une pièce à posséder pour tout fan de cette série Animated.
qui vraiment figurine qui envoie du pâté, hein, quel que soit, que ce soit donc au niveau de la finition, du mode alternatif, du mode véhicule, des gimmicks, du son, de la lumière, de la robustesse, des plastiques costauds, du poids, de la fidélité avec également le dessin animé, la transformation extrêmement bien élaborée. Enfin bref, même si on n'est pas fan de la série Animated, on ne peut que reconnaître vraiment l'extrême précision, l'extrême finition, l'intelligence avec laquelle donc cette figurine, comme les autres d'ailleurs, a été peaufinée. Voilà. Donc n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos avis, vos commentaires, vos impressions, vos suggestions. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, venu rejoindre ma petite famille de fans de robots transformables et de jouets transformables des années 70 à nos jours. Gros bisous également, gros bisous aux plus anciens, voilà, qui sont toujours là, fidèles au poste à me suivre depuis quasiment 5 ans, hein. Ça fera 5 ans là, on va dire une semaine, 10 jours, voilà, que ma chaîne existe et que j'ai, voilà, depuis peu, et je vous en remercie tous du fond du cœur, donc dépassé les 1000 abonnés, hein, je dois être à 1040 à l'heure actuelle. Donc voilà, que dire de plus, si merci d'avance bien évidemment pour tous vos petits pouces bleus de soutien, d'encouragement, pour me dire que vous avez apprécié mon travail, ma revue, le personnage, enfin bref, que voilà, que vous avez passé un bon moment. Je vous donne pour ma part donc rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Alors je ne sais pas encore de quoi il s'agira, ce sera la surprise. Donc voilà, on se retrouve quoi qu'il en soit donc début de semaine prochaine. D'ici là, bon week-end, bonnes vacances, profitez-en bien, reposez-vous bien, amusez-vous bien, profitez bien. Et quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Mini Galactus est de retour, moi. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.